Bonjour, bonjour, bonjour et joyeuse fête à toutes les membres de lebootcamp.com. Nous voilà à nouveau, comme chaque mois, pour les grandes nouvelles de lebootcamp. Et tout d'abord, je vous souhaite de joyeuses fêtes, que vous célébriez Kwanzaa, Hanouka ou Noël, et puis bientôt le jour de l'an. Eh bien, nous sommes là avec vous. Alors, vous vous posez la question souvent, mais qu'est-ce que je peux bien manger à Noël, au jour de l'an ou entre les deux? Mais sans prendre un gramme. Alors, bon, bien évidemment, si vous mangez beaucoup de foie gras à tous les repas, vous prendrez des grammes, des kilos même, c'est évident. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous le savez, le bootcamp n'est pas un régime, c'est un style de vie sain. Alors on se fait plaisir. Combien de fois par an fêtez-vous Hanouka, Kwanzaa ou Noël? Une seule fois. Alors on en profite. Pas à chaque repas, mais lorsqu'on est invité chez des amis ou qu'on invite des amis chez soi, on ne se prive pas. Cela dit, il y a une addition à payer, vous le savez, en sortant de repas ou avant. Bref, on va brûler ces fameuses calories qu'on va manger sans se priver. Et puis, ça veut dire simplement d'aller marcher avec sa famille, par exemple. La fameuse petite promenade digestive prend tout son effet. Vous pouvez aller à la gym, marcher. Si la neige est là, faites une balade en raquette. C'est 800 calories à l'heure. Ça vous permet de manger une bonne fondue en revenant ou juste avant. Donc, le mot d'ordre, c'est pas de privation. On se bouge pour éliminer, mais surtout, on ne se stresse pas. Alors, les nouvelles aujourd'hui, c'est que le bootcamp a atteint sa 250 millième membre sur le territoire français. C'est une sacrée fête. Cela nous place en position numéro 1 sur la minceur en ligne. Et oui, nous sommes les leaders du coaching et c'est grâce à vous. Alors, je vous remercie. Vous êtes mon cadeau de Noël. Merci encore. Dans les médias en ce moment, vous nous retrouvez dans Votre Beauté, l'entreprise BFM Closer, Voici, et bientôt d'autres médias dans le monde entier. Je vous dirai cela en janvier. Surtout, surtout, ce que je voulais vous dire, c'est encore un secret, mais en 2009, en mars plus exactement, vous devriez voir moi-même, votre humble serviteur, ainsi que le bootcamp, partout, partout, que cela soit dans le métro, à la télé, à la radio, vous ne pourrez plus nous rater, mais chut, je ne vous en dis pas plus, je garde un petit peu de nouvelles pour le mois de janvier. Allez, joyeuses fêtes et à bientôt !